Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur notre Yopet Kasai pour faire le donjon Bouffetou niveau 100. Alors pour faire ce donjon, vous connaissez déjà le build, mais j'ai remplacé juste l'anneau des âmes par le cicatriseur parce que les Bouffetous font très très mal et des fois nous tapent deux fois via leur passif. Et du coup ça va nous permettre de sustain un petit peu plus les damage, et notamment pour la dernière salle. Vous pouvez avec l'anneau des âmes arriver jusqu'à la dernière salle, mais... ça va être compliqué à passer parce qu'il tape vraiment très très fort. Du coup, petit cicatriseur pour sustain tout ça. Le build, vous l'avez de toute façon en description comme d'habitude. Vous connaissez, on joue bien évidemment avec l'explosion Kasai et la puissance Kasai. Let's go, c'est parti. On va pas prendre plus de temps. On va détruire ce donjon, c'est parti. Donc l'anneau des âmes, ouais, qui malheureusement nous donne pas assez de sustain pour passer ce donjon. Il nous rajoute bien sûr des dégâts, mais ici on a plus besoin de sustain qu'autre chose, étant donné qu'on a un pool HP assez bas. Hop. On va pas rush au corps à corps, on va juste se mettre là. Hop, let's go. Ok. Vous allez voir, on est souvent, souvent full vie et ça nous heal beaucoup, étant donné qu'on monte beaucoup nos dégâts d'attaque, ce cicatriseur... va pas mal nous aider à faire le taf. D'ailleurs, on peut même utiliser ça. Comme ça, après, j'ai un double tour avec Uppercut plus Massé. Qui est vraiment pas mal. Vous voyez, on est full vie là. Avec le soin durifique plus le cicatriseur, c'est... plus l'armure qu'on génère, on a une grosse, grosse résilience. J'aime particulièrement cet anneau cicatriseur. C'est dommage qu'il manque un petit peu de sub-stat. Sinon, il serait vraiment exceptionnel. Hop, on va faire l'uppercut ici et le massé ici pour les détruire tous. Hop, on va taper. Petit crit, on tue. Ça fait mal, hein. En plus, le fait de jouer le cicatriseur dans ce donjon niveau 100... c'est que les bouffetons dégénérés, je crois que c'est comme ça qu'ils les appellent, ils perdent des HP à tous les tours. Alors un pourcentage de leur HP, je sais plus c'est combien. C'est 10% de leur vie max, donc ça nous permet de pouvoir jouer un petit peu la montre aussi. Si jamais vous galérez, vous mettez dans un corner, vous faites du sustain avec le cicatriseur plus l'horrifique plus l'armure que vous générez avec le brassard Ogan et vos auras d'épée. Et c'est exceptionnel. Ça rend le donjon assez facile pour le coup. Hop, première salle de passé. Mais ouais, je disais, donc j'aime beaucoup le cicatriseur sur le Yop. Ça nous permet de faire des strats sur certains donjons. Notamment sur le donjon Tofu qui, par exemple, avec le juste lame, on peut pas passer le donjon sans. En tout cas, moi, perso, j'ai pas réussi. Ok, on va faire juste une petite frappe du dragon. Sur lui. Ça nous permet de faire une amplification au prochain tour. C'est pas mal du tout. Amplification tap, ça me plaît bien. J'aime bien gérer les ranges en premier. En général. Hop, on est quasiment full vie. On va générer un petit peu d'armure avec l'aura d'épée. Let's go, let's go. Ok, on va faire un tour où on prend un petit peu de dégâts. Ça va me permettre de vous faire voir un petit peu la sustain qu'on peut apporter. Qui est assez intéressante. Et on va faire un gros tour de damage là en même temps. Ça va être assez sympa. Alors, on peut faire ça ici. On peut faire le... J'aurais peut-être dû faire le rayonnement d'abord. J'aurais mis un peu plus cher comme ça. C'est pas très grave. On utilise le point de réserve. On va taper là. Bam. On tape ici. Et on va invoquer notre Pew qui va nous permettre de tanker un peu de damage. D'ailleurs, je pense que je vais utiliser ma réserve pour pas que ça me proc le bouclier, justement. Comme ça, on retire la maladie. Donc là, on est pas mal du tout.
Donc voilà, le combat va se passer grosso modo comme ça. On va essayer de gérer les trash et les gros monstres sur la fin. On essaye de garder un maximum d'aura d'épée. Pour la simple et bonne raison que bah, ça nous fait plus de heal. Hein. Hop, on va gérer ça. Hop, petit crit, ça fait plaisir. On monte en armure. Tranquillement. Donc on va sustain. Sans le cicatriseur, le donjon est vraiment plus dur. Mais bon, ça va. On s'en sort quand même. Là, on a un petit play qui va nous permettre de kite un petit peu les mobs. En attendant qu'on sustain. Donc, on fait morsure glaciale ici. On va gérer ce mob. On tape, on gagne un PA. Et on va step à l'autre bout de la salle. Comme ça, on prend pas trop de dégâts. On sait jamais, sur un critique ou un mob qui nous tape deux fois, on est safe comme ça. Ce qui est plutôt pas mal du tout. Ici, je vais juste aller taper corps à corps. On va faire le massé parce qu'après tout, pourquoi pas. Et on va mettre le petit pew. On retire la maladie. Parce qu'il faut pas déconner. On a plus de PM. C'est chiant, ça. On va pas pouvoir taper. Non, je peux juste faire ça. Éventuellement. Allez, le dernier mob. Viens te battre. On va te fumer. Ah bah, il est mort tout seul. Comme je vous disais, avec les 10% de PV max qu'il perd chaque tour. Nickel. Nextal. Ok, faut faire attention à cette salle. Les mobs font assez mal. On va utiliser le blâmé ici. Comme ça, on génère une aura d'épée. Je me décale sur le côté pour pas me faire taper direct. Mais plus vite vous allez monter en aura d'épée, plus vous aurez de sustain via le cicatriseur. Le cicatriseur donc qui fait proc si vous avez les bonus dessus aussi, le plus de soins sur le horrific. Moi j'aime bien faire ça et ne pas taper ici. Juste aller me mettre dans le coin. Ça me plaît bien. Ça me plaît bien, ça me plaît bien. Vous voyez, là il tape deux fois par exemple. On va essayer de sustain un max. Donc, on va faire l'uppercut ici. Ensuite, le cyber ici. Et on va terminer par le ébranler pour tout simplement bah, se mettre de l'armure. Et là, on a 5 auras d'épée, on est vraiment pas mal. On peut taper ici, on termine comme ça. On peut monter pas mal en point d'action, on va le faire également. Comme ça, ça permet à la maladie au prochain tour éventuellement de tuer ce bouffe tout dégénéré. Ok. On s'est fait crit. On a un petit bouclier à mettre là, prochain tour. Qui est plutôt pas mal du tout. Bouclier into, on retire ça. On va taper. Et je vais probablement craquer la réserve pour me TP. Et on va se mettre un petit peu de shield. On va mettre le pew pour la pioche. On va aller taper lui. Hop. On est pas mal du tout. Là, on va pouvoir remonter en aura d'épée, pareil. Bon, on n'a plus de PM, malheureusement. Je vais probablement juste faire corriger ici. Ok, j'ai pas besoin.
Je peux pas bouger. On va juste faire amplification du coup. Et on va virer la maladie. Les tours sont pas très compliqués honnêtement. Ok, il va nous taper deux fois lui. Ça va, on est pas mal. Faut qu'on se méfie quand même. Hop, 5 aura d'épée. Vous voyez, on est quasiment full vie là. Le crit qui nous fait proc 500 d'armure, plus l'aura d'épée, le bouclier. Ah, le Pew n'a pas voulu taper là. Il n'a pas voulu jouer, le frérot. Et donc là, on est plutôt pas mal. Hein. Les fights sont un petit peu longs, mais c'est pas très très grave. On monte à 5 aura d'épée, on tape. Ici, j'aurais même pu le faire à l'inverse pour me heal un petit peu plus, mais bon, on est full vie. On n'a pas besoin de faire plus. On va blâmer. Hop. On tape. Petit crit, ça fait plaisir. Il nous reste les pupus à finir. Et la dernière salle à gérer. La dernière salle qui est la salle la plus dure, honnêtement. Hop, il est mort. Dernière salle, c'est parti. Let's go, let's go. Donc là, c'est pareil. Faut faire attention. Vous pouvez prendre cher rapidement. Donc tout ce qu'on va vouloir faire, nous, c'est, comme d'hab, générer une aura d'épée. On se met sur le côté pour pas se faire taper dès le premier tour. Et on va vouloir augmenter nos auras d'épée pour se heal un maximum rapidement. Et on va gérer les mobs au fur et à mesure. Ok. Je vais même pas gérer la pupus ici. On va juste se mettre là. Hop. Et on attend. On attend qu'ils viennent à notre corps à corps. Et après, on va monter avec plein d'aura d'épée. Ça va être sympa. Ok, bon lui il va pas pouvoir s'avancer du coup, c'est plutôt une bonne nouvelle pour nous. Ici je vais juste faire une frappe du dragon sur lui, parce qu'il a pas mal de dégâts d'attaque, hein. Il a 40 d'attaque de plus que les autres. On va taper, je garde les pew au cas où. Et après on va monter à 5 aura d'épée dès que possible. Ok, ça va. On va faire, je pense, le mouillé sur lui pour la simple et bonne raison que je pourrais avoir envie de le désarmer juste après. Hop, et on va taper. Un petit crit, ça régale. Parfait. Alors, est-ce qu'il va pouvoir nous taper lui? Il y a moyen que Cornan, le cornu nous tape là. Ok, il nous tape pas ce tour-là. Du coup, on va essayer de gérer rapidement ce mob-là. Ok, il y a un play que j'aime bien. C'est juste faire ça ici. Taper le frérot ici. Et me TP à l'autre bout de la salle. On vire la maladie. On invoque le Pew pour la pioche. Et là, on est pas mal du tout. Là, on est vraiment pas mal. Voilà, lui, il va mourir très prochainement. On va simplement faire ça ici. On va taper. Hop, on va foutre le Pew là-bas. Les deux derniers bouffetous sont morts. Il nous reste le boss à gérer au prochain tour. Sans souci. On va pouvoir aller à son corps à corps directement avec la cuirassiope. Hop, on a encore le Pew de terre pour tanker les coups. Ah, c'est embêtant ça. Ok, c'est pas grave. On va taper. Il est toujours mouillé, on va pouvoir le désarmer tranquillement.
J'avais que 2 PM ici, je pouvais pas aller le taper à son corps à corps malheureusement. Ok, parfait. Et donc là, c'est très simple. On pique glacial. Oula. Compliqué le mot, compliqué. On fait ébranler pour passer en aura terre. Et là, on a juste à taper. On peut même se mettre un petit bouclier pour la forme. On est large. Donc voilà, le cicatriseur, il vous permet de sustainer un petit peu tous les damage que vous prenez là. Le temps de clear la salle avant le boss. Pas très compliqué en soi, mais faut le noter quand même. Il nous a pas tapé, le frérot, c'est parfait. Hop. Allez, on peut même, si on veut, craquer ça pour se rajouter une petite aura d'épée. J'aurais pu le faire avant même. Hop, le pew, on envoie tout. Plutôt facile. Le vrai challenge, je pense honnêtement, avec ce Yop Kassai, ça va être de passer le donjon Tofu. Je sais pas s'il y en a quelques-uns d'entre vous qui l'ont fait. N'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire, les gars, si c'est le cas. J'allais dire, on fait une amplification, mais j'ai même pas besoin ici. Je peux faire un peu ce que je veux, là. Est-ce qu'il meurt ? Il meurt pas. Ok, on aura tenté. On est vraiment pas mal là. Je pense qu'il mourrait en vrai avec corrigé. Vous voyez, ça nous permet de rester full vie quasiment tout le long du combat. Hop ! Et voilà. Le donjon bouffe tout level 100 qui est pas très compliqué. N'hésitez pas à jouer le build, à aller voir ma vidéo build si cela vous a plu les gars. Sur ce, je vous fais des bisous, j'espère que ça vous a plu. Petit commentaire, petit pouce bleu, c'était Fatratz, des bisous, ciao.